Ok les refs, aujourd'hui on va dormir sur une île et je suis toujours accompagné de deux zinzins. Les refs, c'est le meilleur endroit. Les gars, aujourd'hui je vous ai réservé des trucs de fou. J'espère que vous avez l'écran de faire ce qu'on va devoir faire parce que même moi je suis un peu en mode... Ça va être chaud. Mec, pour toi, je vais me surpasser. Mais j'avoue, j'ai peur là. Les gars, déjà, premièrement, on doit trouver un trésor qui est sur la plage. C'est grâce au trésor qu'on va pouvoir savoir où est le campement. Parce qu'en fait, tant qu'on finit pas le trésor, et ben en fait, les gars, on va pas pouvoir dormir. Sinon, on dort ici en fait sans rien, sans tente, sans duvet. On a assez donné dans les jeux McDo. Frérot, moi, je veux un confort optimal. Ok, les gars, regardez le trésor. Là, nous, on se trouve ici là. Et le trésor, il est par là-bas. Ah, mais attends, tu vois exactement nous, on voit où ? Ouais. On va aller chercher ce trésor. Premier qu'il trouve, c'est un BG. Ok, attends. Non, allez les gars, oubliez pas, on est ensemble. Venez, on fait les choses ensemble aujourd'hui. C'est logiquement par là. Bah en fait, ça se voit un peu. Bah c'est là quoi. Oh. Non, je pense pas que ça soit là. Mec, ça tremblote. Ça... Attends les gars, juste je creuse et vous allez juste voir s'il y a pas le trésor là-bas. Non mais tu... Coco, tu te coco là? Plus vite. Attends, juste, viens de faire une vanne nulle. Donc tu peux aller dans l'eau, s'il te plaît. Cut, s'il te plaît. Oh pardon mec, je suis vraiment confus. Non, commencez pas là. Mais qu'est-ce que tu fais gros? Vas-y, bah c'est quoi, creuse, c'est bon. Allez là. Oh gros, t'as failli mettre un coup de pelle quand même. Creuse. Non mec, tu fais pas d'effort. Vas-y, c'est bon, allez. Montre-moi. Là, il y a plus de dextérité, de persévérance. Vas-y, on va se creuser bien, vas-y dans la merde. Après, les gars, vraiment, on est à côté, donc j'entends tout quoi. Ouais. Moi, je le tiens et toi, tu cours. Et après, on se partage tout. On est ensemble? Ouais, mon rêve, vas-y, continue, lâche pas mon rêve. Lâche pas, vas-y, continue mon rêve. Attends, non, mais je regarde là, on regarde là. Ah, oui. Pour l'horizon? Oui. On regarde là, ensemble. Regarde là, ici, là. Ok, là on a une petite carte. En gros, on sait qu'on a tout ça à faire avant d'arriver au campement, les refs. Les gars, la vidéo, elle est en collaboration avec Red Bull. Les gars, calmez-vous. Justement, ça, les gars, c'est la nouvelle édition de Red Bull, Juneberry. Les gars, attendez, vous pouvez goûter. On va prendre un peu d'énergie avant. Vas-y, goûte. Ok, c'est bon, je vais pouvoir vous fumer. Mec, je suis requinqué d'énergie. Eh, les gars, en vrai de vrai, qui va gagner aujourd'hui, vous pensez? Bah, moi. Les gars, on le sait tous dans les commentaires, dites-le, c'est moi encore une fois. En vrai de vrai, tu fais bien de parler d'épreuve parce que là, la première, elle va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors là, vous voyez ce qu'il y a sur votre droite? Il y a des pédalos. Qui dit pédalo dit course, sauf que vous êtes combien? Vous êtes 3, il y a que 2 pédalos. Donc là, fouillez au fond du sac. Déjà, il y a des petits sacs, je pense qu'on va pouvoir les mettre, les gars. On est en mode randonnée ou... Oh, il y a des raquettes! Alors là, c'est simple, concours de jungle. Le premier qui fait tomber sa balle, en fait, il fait pas la course en pédalo, il fait tout le tour du lac. À pied. Quoi? En gros, là, les refs, sur la carte, on a le pédalo et on doit arriver aux zones de plongeon. Comment ça, mon cap? Attends. Ah oui, j'avoue. Oui. Il fait vraiment 10 degrés, zone de plongeon. Ok, il y a 2 pédalos. Le but premier est d'aller chercher une canette de Red Bull pour aller au point numéro 3, qui est le saut en hauteur. Et le troisième va devoir faire le tour de l'île, mais à pied. Bon, les gars, vous êtes prêts? Chaud. Moi, en vrai, je suis chaud à la raquette. Mais. Ok, les gars, vous inquiétez pas. D'abord, on analyse pour voir qui perd, qui est le plus nul d'entre nous. Et après, on verra pour dire qui va où et qui va qui. On peut dire qui va perdre ou pas? Bah, on sait tous qui va perdre. Moi. 3, 2, 1. En fait, vous êtes trop la rapidité alors qu'il faut choisir. Non. La lenteur. Moi, je fais même des petits tricks, Théma. Changement de côté. Non, moi, je resterai moi. Les frérots, c'est un peu long. N'hésitez pas à vous abonner en attendant. Un petit commentaire en disant la prochaine fois, les gars, on dort où? Fais le malin. Bah, j'ai pas de blague. Pardon, mon ref. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Bah, on sait tous qui va perdre. Ah non, mais c'est bon, les gars, y'a un perdant, y'a pas besoin de continuer. Y'a un perdant, y'a pas besoin de continuer. Let's go, j'ai gagné! Enfin, j'ai pas perdu un truc, c'est extrêmement rare. Du coup, c'est toi qui cours? Je cours. C'est bien ça! Sauf que moi, j'ai pas à m'arrêter, prendre une canette. Franchement, je suis impressionné de Seiya. Mais l'épreuve d'après, moi, on va bien rigoler, les gars. Allez, c'est parti, les gars! 3, 2, 1. Putain, je prends celui-là! Ah! Où est-ce? Let's go, les gars, je vais les fumer! Parce que moi, j'ai le cardio! Ok les gars, j'ai réussi à monter, maintenant je vais le diriger. Par où je dois passer moi? Ça va être beaucoup trop long. Ok, je vais rattraper Raph, il est juste là. Faut que je le rattrape vite. Je crois que je prends même pas le bon chemin. Ah si, c'est par là. Seiya, j'en peux déjà plus. Mec, je veux pas qu'Anto il gagne. Pourquoi j'ai perdu ce jeu de balle de merde? Les gars, je suis là, je dois aller tout là-bas. Je sais même pas s'il y a une micro chance que je puisse gagner. Ok, c'est maintenant. Oh non, il a déjà réussi. Ouais les gars, j'ai récupéré ma canette. Maintenant, j'ai juste à aller... à la zone de plongeon. Les gars, c'est giga long, regardez. Oh putain, je vais prendre ma canette. Oh. Allez, je prends ma canette. Elle est bien fraîche ici, là, en plus. Let's go, les gars, j'ai la canette. Les gars, je m'approche. Mais j'ai encore tout le tour de l'île à faire. Regardez actuellement où je suis et regardez où ils sont. Ça va être chaud. Les gars, j'ai un petit problème, je suis bloqué. Je dois faire
alors que j'étais en... J'arrive pas à parler. Les gars, j'en profite pour vous parler parce qu'aujourd'hui on fait une vidéo qui est quand même hyper cool. Et si on peut faire ça, c'est grâce à vous, parce que vous kiffez tellement l'épisode que Red Bull nous accompagne, frérot. J'aurais jamais pensé ça de ma vie. C'est une putain de dinguerie. Donc merci de me suivre, les frérots. Et abonnez-vous parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc ça, c'est pas bien. Ah, je m'aide un peu en poussant avec mes mains sur les genoux. Ah non, je tourne dans le mauvais côté. Allez. Putain, qu'est-ce que je ferais pas pour Anthony là, les efforts. J'ai plus de jambes. Je fais du pédalo tout seul. D'ailleurs, les gars, petite exclu, j'ai créé ma société et je l'ai appelée Yellow. Ça veut dire jaune en anglais pour ceux qui ne sont pas bilingues. Je suis pas bilingue. Je vais te rattraper, mec. Je vais te rattraper. Crois-le. Mais pourquoi? Yes, il a tourné dans mon côté. Pourquoi tourne? Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Je sais pas si on voit. Pourquoi tourne? J'en peux plus, les gars. J'en peux plus. Oh, ils sont encore loin. Ok. Tu vas toi arriver? Mais sérieux, il commence un peu à me coller là. Allez, tout dans les cuisses, les gars, tout dans les cuisses. Toutes ces années d'expérience en musculation, ça va pas me servir à rien. Allez, je me suis rapproché de Raph, les gars. Oh, je crois que t'allais pas, Jason. Je vais te rattraper, ça sert à rien de regarder derrière toi, je serai devant toi. Ah, j'espère, Anto, il est pas encore arrivé. Peut-être que je suis le premier arrivé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'en peux plus. Je suis mort. Est-ce que Anthony, il est là-bas? Il est pas encore là. Ouais. Let's go. Let's go. Je suis arrivé avant Anthony, c'est le principal. Eh là, mon ref. Je suis là. Hier, c'est le dernier. Hein. Je suis dernier? Oh non. Ah, j'ai tellement fait d'efforts, je suis dégoûté. Ah, je suis mort, gros. C'était mec, c'était méga long, frère. Vraiment, je sais même pas comment je suis arrivé, presque pareil. Ok, les refs, prochain défi, saut en hauteur. On se chie pas dessus, nous? Oh mon dieu. Les gars, regardez juste, c'est approximativement plus que 5 mètres. Premier, deuxième, troisième? On fait ça? Ouais. Ça vous va, vous? Je sais pas, je suis stressé. Viens, nous, tiens, on se détend là-bas pendant que lui il saute. On regarde, on est maçon. À la tienne, Etienne. Tu vas un peu d'énergie, mon ref? Je pense qu'il va un peu de courage surtout. Mec, moi... c'est un taureau, mec, t'es un putain de taureau, mec! Red Bull de Nézel. Voilà, Red Bull de Nézel, les refs! Bon, allez, frérot, je te laisse t'incliner sur le. Attends, j'arrive pas à croire que c'est réel, gros, je te jure! Allez, on recule! Les frérots, un max de likes pour cette vidéo parce que on a du courage! Ah ouais, tu commences en arrière? N'importe quoi, jamais de la vie fait ça! Si je le fais, vous abonnez, les gars! N'importe quoi! Non, c'est un. Non, c'est non, du troll, c'est du troll! C'est du troll! J'ai le cœur, mets ta main ici! Mets ta main ici! Frérot, on a dit premier saut, chill hein. Direct hein. Chill. Ouais, mais tu... Oh, je stresse pour lui, sa mère. Après, c'est vrai que pour les... Oh wesh. 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 Il a eu les couilles. Il a eu les couilles, les gars. Ça va? Elle est froide? Mais quoi? Comment il a des couilles de frérot? Attends, mais pourquoi il a sauté comme ça? Moi, je croyais qu'il allait faire un salto, j'avoue, je suis un peu déçu. Moi, je m'attendais à un salto arrière. Mais moi, je sautais normalement, hein. Tu sais, la bougie. Oui, le premier, c'est chill. C'est hier, je te mets la note de 8 sur 10. Frérot, t'as géré, t'as stressé et t'as eu les couilles de sauter en arrière. Et ça, c'est incroyable. En vrai, moi, c'est un 10 parce que c'est le premier saut et c'est le premier qui fait le blooper en vrai, tu vois. Après, une fois que c'est passé, c'est tout seul. Donc, moi, je mets un 10 pour le courage. Mon ref! Mais mec, t'es un malade, frère! C'est un malade! Couvre-le! Moi, j'aurais jamais cru que t'allais faire ça, on dirait un athlète de Red Bull là! Je débranche le cerveau, hein! Mais mec, trop fort! Wow. Mais allez, vas-y, viens, on aide à monter! Respect de fou, franchement, tu mérites de gagner limite. Franchement, tu sais quoi? Eh, frérot, c'est rien qu'on saute, il a gagné. Ouais, il a gagné. Allez, on saute pas, il a gagné. Activité suivante! Les gars, il a gagné, on saute pas, hein! Vas-y, monte, Tato! Ouais, c'est chaud! Ouais! Il a fait un 360, ouais! Je suis dans Black Ops ou quoi? Non, on a mis la même note. On a mis la même? On a 7 tous les deux. Incroyable. Anto, je te mets 7 parce que je sais que toi, t'as pas peur des sauts. Mais malgré tout, t'as fait un truc bah pas dingue au final. Genre, c'était mieux Seyar. Excuse-moi, mais. En vrai, ouais, c'était juste pas dingue. Moi, j'avais prédit. Enfin, j'aurais aimé que tu fasses un salto. Ça aurait été incroyable. T'aurais égalé Seyar aussi, mais malheureusement, c'est pas arrivé. On peut pas réécrire l'histoire. Mais on a hâte de voir ton deuxième saut. Allez, mon poulain! Mec, bien joué, chef. Par contre, mon 3-6, il est parti un peu en couille. Non? Ouais. C'était grave bien joué. Ah ouais? Ouais, t'as géré. Merci les gars, géré. Mec. La coupe à revoir. Non, il est tout beau comme ça. Attendez les gars, regardez. Ah oui, d'accord, ok, le mec a tout prévu quoi. Mec, ça lui va un peu bien. Ah ouais, je te jure, de fou. Ça lui va un peu bien, je suis jaloux. Maintenant, on rigole plus. C'était l'échauffement ça. Raph, tu vas réussir à le faire. Hein. Je sais pas quoi faire. Peut-être la ah. Ah ouais, le stress là. En fait, je sais pas quoi faire. Toi, tu m'as impressionné que t'as fait un saut en arrière. Toi, t'as volé mon idée, je voulais faire un 3-6. Mon ref. Vas-y frère, c'est maintenant. Pour attention, la serviette, elle est mal mise. Pour allez, le 113, gros. Allez, 3, 2, 1, go. Oh putain. Je crois que c'est le saut de l'hésitation. Là, hésiter, c'est vraiment pas bon. Let's go. Oh, j'ai trop peur. Faudra que tu nous expliques. Hein. Les refs, à préciser, ne sautez jamais tout seul. Ouais. Et toujours quelqu'un qui est en bas qui vous surveille. Et les gars, il y a surtout une équipe derrière, l'équipe Red Bull qui est là. Si jamais il y a un problème, ils hésitent pas à sauter, les gars. Et eux, c'est des vrais professionnels, pas comme vous. Donc ne faites pas ça seul parce que ça peut être dangereux. Et là, en plus, il y a rien par terre. Regardez bien tout le fond et tout ça. Et je parle trop là parce que c'est bien à moi. Raph, il est en train de remonter déjà. Ok, Raph, je misais tout sur toi. Malheureusement, le saut c'est un peu trop classique. Mais tu vois, je sais qu'il a le vertige, donc
je mets quand même la note de 6. Moi j'ai parlé avec lui avant, il m'a dit que c'était faisable. Je suis déçu du saut. Je mets quand même la moitié des points parce que bah il y a quand même sauté, c'est le jeu. Donc il y a joué le jeu. Donc c'est un 5 sur 10 frérot. T'as hésité chef, mais bien joué. Pourquoi t'as hésité? Je suis tombé tout seul. Mais mec, on met 1000 ans à tomber. En vrai les gars, je sais pas pourquoi, mais moi entre nous je pense qu'il y a plus que 5 mètres. Parce que même moi j'arrête pas de me dire tout à l'heure, je vais faire ça, mais plus je le regarde et plus je me dis c'est haut. Mais en fait au début je voulais un peu sauter. Et quand je... Il a plus les mots le pauvre. On recommence. Let's go. Let's go. Deuxième saut les refs. Deuxième round. Les gars on est chaud. T'es prêt mec? Attends, faut que je me reprépare mentalement mais ouais. Ouais allez c'est let's bon go. C'est carré mec. Je le fais pour eux. Les trois gars, vous êtes prêts pour votre dernier saut? Yeah. Let's là go. Va falloir se surpasser. Arrête de sauter ouais, arrête en fait, de sauter en fait, le pont n'a pas des ailes. C'est parti. Seyard premier. En place champion. En fait je vais essayer un truc que j'ai jamais tenté de ma vie. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Ça a rien de regarder gros là. Ça descend pas plus bas. Ça monte pas plus haut. J'arrive pas. Ah ouais? Bon bah c'est à mon tour! C'était si sincère! Non, je vais aussi. Allez, nique sa mère, je le fais! Allez, sèche! Allez! Mère. Ah! Putain de merde! Je vais le rater la figure, c'est le duds. Ouais! Quoi? Mais non, quoi? Quoi? Mais mec, t'as quand même fait un plongeon, putain! À quel moment ce mec allait faire un plongeon? Bah frérot, on a la même note. Incroyable. C'est un 9. Corda. Gros. Seyard, tu mérites de ouf. C'était entre le plat et le plongeon. Je sais pas trop comment appeler ça. Je trouvais ça hyper stylé. Mais en tout cas, bravo à toi, Seyard. Pour l'instant, bah, largement vainqueur. Ah, j'ai essayé de faire le dodge, mais en fait, j'étais en l'air. Mais de base, ça s'apprend à 1 mètre, frère. Ça part à 5 mètres. Il a fait un plongeon, mais mec, t'es un malade. Mec, vraiment, tu m'as impressionné de fou. Mec, c'est bon, j'ai même plus envie de sauter, frère. Ça m'a... Ouais. T'as gagné. Vous pouvez m'impressionner encore, quand même, les gars. C'est à moi maintenant. Mec, Anto, ça en vaut la peine d'essayer, mec. Mais ça me perturbe, il fait l'air mystérieux là. Tu t'essayes d'impressionner qui? Il fait quoi couper? Quoi couper? Non. Franchement, vous allez être déçus. Je le dis d'avance. C'est une stratégie. Non, la tête de ma mère qui s'est pas une stratégie. Vous êtes prêts? Vas-y. Ouais. 3, 2, 2 1, go! C'est parti. Attendez. 3, okay. 2, 1, go! Red Bull rentre deuxième. Red Bull donne des ailes. Putain, malade, il a touché ses yeux. Il a touché ses yeux en disant ça. Je suis dans la merde. Ah, t'as mis 5. Ah, t'es dur. Ah, il est dur. Je mets quand même 7 parce qu'il a quand même dit Red Bull donne des ailes. Mais bon, c'était pas top. Moi, ça vaut largement un 5 et peut-être moins. Ah ouais. Je suis peut-être méchant dans ce que je vais dire. Mais peut-être que d'un autre côté, je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Let's go. Je suis déçu de moi. Mec. Non, ça va. Ouais, c'était bien. Je trouve j'ai bien aimé. Non, mais je voulais faire un backflip. Tout le monde voulait le voir. Oui, c'est vrai. T'es déçu de toi, mais Red Bull est fier de toi. Moi, je suis fier. J'aurais jamais pu faire ce que t'as fait. Genre, vraiment. Merci. Moi, je vais refaire le même saut. Hein. Au pire, le monteur, je mets juste un replay de mon saut. Ça sera pareil. Hein. Allez, mais en fait, les gars, je vous le dis, j'ai déjà fait des. Attends. Gardez ça au montage, s'il vous plaît. Regardez maintenant ce passage. Vous comprenez pourquoi j'ai très peur maintenant de faire les saltos en hauteur parce que j'arrive pas à les contrôler en l'air. Et là, je sens que il manque genre 2 mètres en dessous, c'était parfait. Là, je vais pas le contrôler, je vais faire un plat et toute la vidéo après, je vais être mal. Voilà, donc ne vous forcez pas, putain. Bonjour, bon courage, je trouve qu'on s'est tous bien donné, je suis fier de vous. Vraiment, Raph. Vraiment, Raph. Bon, essaye de faire un petit truc différent, mec. Vraiment, ce que tu veux. On recule, mais on est derrière toi. Raph, vraiment. Allez, Raph. Ça va être très dur pour lui, là. Le backflip. Bah oui, t'as raison, toi. Le backflip. Franchement, les deux, s'ils font ça, j'arrête YouTube, frère. Bah, vraiment, parce que moi, j'arrive, j'ai pas de couilles, et eux, ils le font, non, j'arrête YouTube. Vas-y, allez, dis-le 3. 3, 2, 1, J'espère il va bien gros. Mais il a rien fait. Ouais, ça va mec? Je vous ai déçu. Non. 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 Moi je me suis. Non. Un peu. Non frérot. Non. En vrai, on s'est tous donné. Même si je suis déçu, tu sais, de qui? De moi mec. Je voulais faire un salto arrière, mais putain, je l'ai pas fait, j'ai trop la haine. Je te mets la même note qu'Anto personnellement, bah parce que bah t'as sauté. Il y avait rien de ouf, pas de figure ou quoi, mais le saut est là. Il a beaucoup hésité, mais il l'a fait. Ok, bah moi tout pareil, moyenne parce que j'ai quand même qu'il a le vertige, donc il mérite quand même la moyenne, mais il y a rien d'impressionnant dans son saut. Mec, bravo, hein. Franchement, t'as sauté quoi. Les refs, là tout de suite, on va aller voir les notes des jurys, même si on sait déjà qui a gagné, mais bon, c'est pas grave. Let's go, c'est parti. Allez, on va savoir les petites notes. Frérot, Ryan, je te laisse. La première note. Et donc c'est le dernier, c'est Raph. Je suis désolé pour toi frérot. Ok, ça commence comme ça. Tu t'en sors quand même avec un 10,5 sur 20. Donc c'est largement la moyenne. Bravo à toi. Mais t'es dernier quand même. Par contre, c'est cool d'applaudir tout seul les refs. Jérôme, Eiffel, c'est à toi. Les frérots, le grand gagnant. Moi je pense que vous le savez déjà un peu, vous en doutez. Parce qu'il le mérite. Bah non, je vois pas de qui tu parles. Enfin oui. Les gars, le grand gagnant, c'est Seya. Ouais.
La note de 18 sur 20, frérot, t'as été incroyable. Bah, on sait tous qui va perdre. Moi. Je tiens vraiment à féliciter Célia parce que tu m'as vraiment impressionné. Ouais, c'est vrai que ton, saut, ton deuxième saut surtout était magnifique. Frérot. Incroyable. Et du coup, pour donner quand même ta note, t'as eu 13 sur 20. Oh. Okay. C'est pas mal. T'es bien entre. Ah, 13 sur 13. Exactement. Voilà. Bah, voilà. Calculé, frérot. Okay. On a que 3 points d'écart. Oui, c'est pas grave. Bon, les refs, c'est parti. On va passer à la prochaine activité. Let's go. Bon, les refs, on vient de se changer. On était mort de froid. Maintenant, on va devoir se rendre au point numéro 5, qui est le Energy Checkpoint. Et pour traverser l'île. C'est quoi ça? Bah regarde. Bateau, non, 3 non. places. Ok, bah let's go les gars, petit tour de bateau à 3. On va gonfler ça. Ok, là il y a la pompe. En plus elle est gaze. Elle est pas gay. Ouah, ça va être méga long. Aïe. Allez vas-y. Ouais, 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 ouais. Attends, ça sert à rien ce que tu fais mon ref. Mec, tu me pompes l'air. Pas ouf la blague. Voilà. Vas-y, 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 ouais, vas-y, ça gonfle bien là. Vas-y, vas-y, mon ref, vas-y, mon ref. Prends le relais, vas-y. Viens là. Ok, les gars, on a fini, c'est parti. Déjà, équipez-vous. Ah, excuse-moi, Flo. Merci. Wesh! Ah, ouais, mais c'est des vrais gilets de ouf! Wesh! Je vous le dis, les gars, ça va être du n'importe quoi là, on va galérer. Ah, on passe par là? Bah, tu veux passer par où? Gros, tu veux pas aller sur la plage? On doit aller à la plage, frère. Quoi? Allez, gros, arrête ton cinéma là. Ah, c'est ultra froid. Mais je vais tomber. Ah, par contre, il y a beaucoup d'eau dans le bateau. Mais avance-toi à moi, il va se mettre derrière. J'ai zéro confiance. Vérité, est-ce que ça tient ou pas le bateau? Ah putain, je me suis pris l'aléron. Oh, les gars, c'est incroyable, on a réussi à monter à 3. Ah, oui, c'était sûr, les refs. On voit vraiment rien du tout. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est parti! On dirait qu'on est en expédition, on va voir des crocodiles. Par contre, les gars, la pagaille, faut la pagailler. Les gars, de mon plan de vue, vraiment, quand j'ai avec la cam sur moi, je vois rien devant. Les gars, franchement, c'est pas incroyable. Mec, je sais même pas c'est où le bout, frère. On voit rien, même à la GoPro. Vous voyez les petites lumières là? C'est là qu'on doit aller. Pourquoi on n'avance pas? Bah, parce que vous pagaillez pas. Si. On est en train de tourner en rond. Mec, en fait, quand tu m'éclaires la gueule. Ouais, je vois. Je sais pas où aller quand tu m'éclaires la gueule. Vas-y, attends, attends. Là, on est tout droit. Et là, on fait tous les deux en même temps. Vas-y, les gars. Là, regardez, on va tout droit là. C'est vraiment l'expression avancer dans le vide. Et c'est loin d'être terminé. Mais là, priorité, c'est d'arriver là-bas, de se poser. Et après, on va pouvoir trouver le campement. Je sais pas du tout, on va dormir où d'ailleurs. Les gars, d'ailleurs, on a fait plein de belles photos sur cette île. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et dans les commentaires, vous mettez un max de prout. Vas-y les gars, on y est presque, on y est presque. Allez, 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 allez. Ok les gars, je vous le dis tout de suite, vous êtes pas au courant derrière. Mais si cette vidéo a 10 000 likes, nous allons dormir sur l'eau. Comment ça sur l'eau? On va dormir sur l'eau. On met un matelas sur l'eau genre? Non mais on va dormir sur l'eau. T'as 10 000 likes, tu peux pas me dire plus là? Non, non, 10 000 likes. Là, à gauche, 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 les gars, gauche, 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 gauche. Allez, on y arrive. On y est. Ça sent la fin là, c'est bon. Ça sent la fin, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est mignon comme balade hein. Ouais, c'était cool. Par contre, au début, j'avoue, je me suis dit ça va être interminable parce qu'on avançait pas, mais en fait, on avançait. On a trouvé les techniques, c'est ça le travail d'équipe. Let's go, la terre ferme. Oh, je suis trempé. Oh non. Oh, ça va en vrai. Oh si, je suis beaucoup trempé quand même. Oh, c'est ça la récompense. Let's go. Ah non, c'est pas ça. Ah merde. Oh merde. Ok les gars, on est arrivé au Energy Checkpoint. Mais frérot, filme mes pieds, j'ai l'impression d'être Voldemort gros dans la coupe de feu. Quand il arrive comme ça, après, je te jure. Bon les refs, c'était cool ce petit tour de bateau ou pas? Oh, ouais, petite balade sympathique. Va bien falloir aller quelque part là. Ah oui, le campement. Je vois que sur la carte, il est par là et logiquement, si on suit bien la trajectoire, c'est par là-bas. Je suis pas sûr de cette vanne. Et maintenant qu'on a bien récupéré, on va enfin pouvoir aller au point final, qui est le campement. Là où on va passer toute la nuit. Let's go, mec. Non, mais fais pas de conneries. Mais non, mais allez-y, non, je vous laisse passer, vas-y. Enfin, gros, oui, je vais tomber à l'eau, je vais... Moi gros, ah ouais, mais... je te fais zéro confiance. Mais t'es mal à la confiance. Oh. Les gars, on a changé de tente, regardez. On est passé d'une vieille tente de merde à une tente de 2 secondes. Il y a 6 duvets. On ne peut qu'avoir chaud, vraiment. Ah ouais, ah mais non, c'est des matelas. Il y a des matelas. Ah oh ouais, les gars, maintenant, on a des matelas. Oh là là. Quoi, le confort? Putain, on va être bien. Bon, les gars, regardez, avant, on galérait et maintenant, en seulement 2 secondes. Alors, je pense qu'il faut l'ouvrir. Après, je sais pas tout, mais... C'est ça, 2 secondes? C'est mensonge, en fait. 1, 2... Wow, ouais. Ah ouais, ça change. Bon, les refs, je vous explique. On va pas dormir tout de suite parce que bah là, les gars, je sais pas il est quelle heure, mais à mon avis, il est trop tôt. Vous connaissez, on dort où? On fait trop d'activités, on dort très peu. Là, je propose pleine forêt, pleine nuit, pleine lune, plein cache-cache. Enfin, c'était pas à Corda, mais c'était marrant. Vous êtes chaud? Allez, bien évidemment, sans les petits cadreurs parce qu'ils ont trop peur pour nous suivre. Mais ça faut pas, c'est, ouais, en même temps faut engager des mecs. Celui qui est tout seul, bah il sera tout seul dans sa merde pour chercher les deux autres. Oh là, je stresse, je suis tout seul. J'ai cherché. Attendez. Et venez, on ferme les yeux comme ça on voit pas. 2, 3, levez. Vous avez triché. Ok les refs, c'est parti, cache-cache. Dans 15 minutes, tu pourras activer le AirTag. Ça veut dire que tu vas pouvoir voir on est où exactement. Parce que mec, c'est beaucoup trop grand, sinon ça va être interminable. Bisous mon ref.
Bon courage. Eh, hey, oublie pas les esprits, ça existe vraiment, c'est pas des lol. Bon les gars, je sais pas du tout où on peut se cacher. Les gars, je ne vois rien où on va. En fait les gars, faut vous dire que nous avec la GoPro, on a une lumière frontale directement dans les yeux et on ne sait pas où on marche. Oh là, ça fait bader frère. On se met juste là, pas très loin. On va se poser là. Par contre, j'espère qu'il y a pas de bête de ouf. OK les gars, minuit 16, je peux commencer à aller les chercher. J'ai trop peur. OK les gars, jamais de la vie, je fais une vidéo où je dors en forêt. Non. C'était quoi ça? Il y avait des bêtes par terre. Au pire, on m'a toujours dit c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Non. En plus, on voit vraiment rien. On voit vraiment rien. On voit vraiment rien. Il y a quelqu'un là? Vous savez quoi? Je vais courir. Oh non, c'est trop flippant. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre ça. Les gars, est-ce que je suis au moins dans la bonne direction? Putain, les gars, j'ai vraiment. Non. J'ai entendu un bruit, la vie. La vie, j'ai entendu un bruit. Les gars, j'espère c'est vous, hein. Putain. Oh non. Putain, le truc de ma GoPro, il a plus de batterie et il éclaire. S'il vous plaît, recriez un coup. Je vous déteste. La vie de ma mère, je vous ai détesté pendant 45 minutes. On a mis un plan en place. On a mis les AirTag dans la cabane, là. Pour que j'étais là-bas, il faut que tu montes. Mais en fait, c'est dommage, parce que les AirTag, je voyais rien. Comment ça, tu voyais rien? Mais il n'y a rien sur l'application. Je suis désolé. C'était le pire trajet de ma vie, en fait. Bon, les refs, il y a les frérots qui sont partis prendre des chaises. Là, on va manger, mais on va aussi faire un feu de camp. Petit dessert, petit chabalot, tout ça. Et bah là, c'est parti, je vais aller chercher des petites branches. Ça, c'est pas mal pour allumer le feu, ça. Ah ouais les frérots, bonne rentrée. Franchement force à vous, vous allez avoir cours tous les jours 8h-17h. Mais ah oui par contre les gars, pas de harcèlement scolaire. Moi j'en ai eu quand j'étais petit. Et on travaille bien. Et ouais on travaille bien les refs. Parce que arrêtez de dire que l'école ça sert à rien, l'école ça sert. Sinon aujourd'hui je pourrais envoyer un mail sans chat GPT. Pas le bon exemple. Faites pas comme moi. On se retrouve directement pour allumer le feu. Bon les gars, je pense que vous avez bien allumé le feu. Enfin certains d'entre vous plus que d'autres. Mais en tout cas il est très joli. Ah ouais non mais on a tous participé. Petite présentation et tout. Vous avez envie de manger quoi? N'importe mec, je mange tout là. Qu'on apporte les pizzas. Oh malo. Ah, malo. Les gars bon appétit. Ah ouais, j'avoue que il a raison. J'ai jamais mangé une pizza comme ça. Merci. Bon les refs, on finit de manger. Mais après on va moins rigoler. On va chasser les fantômes. Oh non. Avec un vrai détecteur et en tout. En vrai, j'ai hâte. Moi aussi, ça va être marrant, on va bien rigoler. Moi j'ai peur. C'est parti, il est l'heure d'aller chercher les fantômes. J'allume, vous connaissez ce petit objet. Si c'est vert, c'est safe. Si c'est rouge, c'est qu'il y a... C'est danger. C'est pas safe quoi. Dans les films d'horreur, ils font exactement comme nous en mode oh c'est fun si on faisait ça. Après ça fait... Moi je me casse, j'ai vu trop de films d'horreur où c'est le caméraman qui prend cher. Ah, t'as entendu? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes mon keuf? Salut mec. Bah oui. Les gars, voilà. Attendez deux minutes. C'est-à-dire, t'as entendu où? Pour l'instant, il reste sur le verre. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien, les gars. Coupez toutes vos lumières, maintenant. Tout le monde, aucune lumière. Attends, j'éteins aussi, là? Ouais. Wesh. Non. Non, on va pas faire ça. Wesh. Tu vois, c'est ça que j'avais entendu. Oui, c'est des animaux, frérot. C'est un... Ouais. Oh, c'est wesh. Les canards. Wesh. Arrête, tu fais exprès, c'est un prank. T'entends pas, t'as quelqu'un? C'est vrai, il veut juste faire demi-tour parce qu'il a peur, donc je dis juste de continuer avec nous. Vas-y, éteignez vos lumières. Super, voilà, on sent JBL dans la poche. Oh là là. J'ai trop voilà. Le seum, voilà. C'est la merde. Je savais. Moi, d'un autre côté, c'est genre, j'adore, et d'un autre côté, ça me fait très peur. Ah oh. Les gars, ça bouge. Et où c'est Yaa? Quoi? Non arrête. Non arrête. Moi je. Arrête. Il est où? C'est Yaa. Wesh. Non arrêtez les gars, il est où? C'est pas ça. Les gars, c'est pas une vanne. Il est où wesh? Non mais les gars, mais jamais j'aurais dit, j'aurais pas les couilles. Non s'arrête. Non s'arrête. Mais gros, non s'arrête. C'est Yaa. Eh venez, on rentre, on l'a. Les gars, c'est pas une vanne, sérieux. Non. Les gars, mec, je l'ai jamais eu le coup de faire ça. Mec, on bouge dur. Pas, on bouge pas, on bouge pas. C'est Yaa. Non mais sérieux, Flo, c'est vrai ou pas la vérité? T'es au courant ou pas? Non. Mec, jamais eu le coup de faire ça, frère. Je jure que la plus de merde, je suis pas au courant. Les gars, sérieusement, vous en parlez sérieux là? Non, Flo, c'est vrai la vérité. Je suis en ventilation, frère. Non mais les gars, sérieusement, vous en parlez sérieux, je rigole pas là. Oh mec, il m'a fait la peur de ma vie. Ah mais il est trop fort ce bar. Mais vraiment, c'était pas drôle. Il a plus de putain, il a des couilles. Pourquoi t'as fait ça, frère? C'est drôle. Mec, on était en stress total. Si, qu'est-ce qu'on fait? Oh les gars, j'étais parti pisser. En vrai, la séquence elle va être archi drôle, vous êtes tous courus. Bon bah les refs, c'est vert, donc c'est safe. Vous amusez pas à faire ça, ça fait très peur. Le grand JD, ça a rien de venir, y'a rien, c'est safe. Y'a rien, c'est bon, on a tout fait la forêt. Là on va faire la prochaine activité qui est Malo fait tout péter. Mec, wow. Wesh dinguerie. Regardez sur l'eau le reflet. Waouh.
Bon, les gars, ça fait chier, c'est terminé. Vas-y, mec, fais tout péter. Les gars, d'ailleurs, abonnez-vous, bientôt je vais faire exploser un feu d'artifice avec 10 000 dominos. Ouais, fais tout péter, mec. Les gars, vous avez aimé la petite surprise? Mec, j'ai kiffé de fou. C'est officiel, je suis amoureux des feux d'artifice, je veux tout le temps en faire, mec, c'est trop. Il met la troisième, enfin la dernière. Ah, non, encore. Les robes, c'est le meilleur overall. On va dormir. Aujourd'hui, on est équipé, regardez, on a carrément des matelas autogonflants. Ça, c'est méga stylé. Habillez-vous dans la truc. Ça peut être comment? Oh bon putain de merde, il y a une araignée de fou. Ça, non c'est vrai ou pas? Non. Putain. Attendez, gardez-la dans les yeux, hein. Putain, pourquoi ça arrive à moi ça? Elle sort d'où wesh? Mec merci gros, tu sais que tu viens de me sauver la vie hein. Bah, allez bonne nuit les gars. Bonne nuit les refs. À demain. La journée est incroyable. Et demain d'ailleurs on va se faire réveiller avec encore une fois une petite activité qu'on n'est pas au courant. Bisous. Comment ça va les loulous? Ça a bien dormi? Bah là, genre là, vous allez vous réveiller. Levez-vous un peu, Raph. Donc les gars, là c'est simple. Vous vous levez rapidement. Je vous mets un petit micro. Et là, il y a des pistolets là-haut qui sont cachés. Oui, je trouve rien. Fuyard, je trouve rien du tout. Mes frères. Alors, c'est malin. Arrête maintenant, stop, arrête de tirer. Bon les frérots, ça y est, on va pouvoir rentrer chez nous. On a fini cette nuit sur l'île. C'est l'une des premières fois où on a autant dormi je crois. Ouais, le réveil par contre il était hard, mais c'est bien, au moins tu te réveilles vite et tu peux vite commencer ta journée genre. Bon, encore une fois merci à Red Bull pour la collaboration et d'avoir financé la vidéo. C'était l'occasion de faire ça avec la gamme Red Bull Edition, qui combine le Red Bull qu'on connaît avec des goûts différents comme Juneberry. Merci les refs d'avoir suivi la vidéo. À vous de me dire dans les commentaires la prochaine fois on dort où. Je compte sur vous, mettez un petit pouce bleu pour montrer que vous avez kiffé cette vidéo. Et n'oubliez pas, à 10 000 likes, on dort sur l'eau. Allez bisous les refs, merci beaucoup.